Donc on est ravis de vous accueillir pour les 35e rencontre, puisqu'on en est à 35. On est très fiers de ça et très fiers de vous, parce que finalement, si on est arrivé à 35, c'est parce que vous êtes là tous les ans, nombreux, et que vous nous encouragez à continuer et à faire mieux chaque année. Donc nous espérons que cette année, ça sera mieux que l'année dernière. Bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette fête du cinéma pour 8 jours. Ces 35e rencontres cinéma de Jindou, avec, comme vous le savez, cette année, on va célébrer le cinéma d'Arnaud et Jean-Marie Larrieux, nos invités d'honneur 2019, qui sont là. Alors, je vous demande de les applaudir. On n'a jamais su quel était notre premier film, donc il y en a un qui s'appelle Fin d'été, que vous verrez plus tard, lundi, je crois. Et puis après, il y a les deux que vous allez voir, donc dans l'ordre inverse de la chronologie. Mais il se trouve que Mathieu Amalric était à la première séance de Fin d'été. Il y avait une seule salle en France, au Panthéon, à Paris, et il y avait 22 spectateurs, et le 22e, c'était Mathieu Amalric. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Avec votre organisation, je fais la bise. Bon, je lui laisse le micro pour le reste de la soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. En fait, on le fait exprès d'organiser le festival à Jindou à cette période-là pour fêter mon anniversaire, chaque année, donc voilà. Merci et bienvenue à cette première soirée donc des vagabondages cinématographiques dans le cinéma de Verdure. Soirée pendant laquelle vous allez voir un court-métrage et deux longs-métrages. Le film qui était fait avec le GREC, donc le groupe de recherche cinématographique, et c'était un peu un défi pour nous parce que c'était un concours, il fallait raconter 5 histoires de 2 minutes. L'ASCO dans sa couverture, très bien. Et à côté, le fringant. Ça va se mettre en... Ça se met en marche tout seul. Voilà. Maison. Oui, elle est pas, pas très odorant. Pas très odorant. Claude est plutôt désertique. Et oui. Les quartiers des tisserands. Lui, je dis le pomme. Normalement, il ne devait pas marcher. C'est super bien. Et bien voilà la couverture. Vous allez reconnaître le lac, un arbre précis au bord du lac. Sauf que d'empathie, il a été coupé. Donc, normalement, vous repérerez l'histoire. Mais on reste assez près, non pas de la réalité, mais en tout cas de la manière dont la vraie Patty raconte ses histoires.
des gens qui parlent de sport, de chasse, de pêche. C'est un exploit quand même, c'est des longs textes. En général, on ne répète pas avec les comédiens, mais cette fois-là, on s'était dit on va répéter, les textes sont très longs, c'est en particulier. Je pense à d'autres questions, mais je pense que c'est bien. On veut bonne projection. Sophie, hein, pour lui dire que c'est toujours. La gaufre. Alors, je ne vais pas dire grand-chose, moi c'est un film qui m'a beaucoup touché, mais c'est un film tourné dans le Lot, avec une production toulousaine. Premier long métrage aussi d'Antoine Osbach, qui nous vient de Suisse, avec ce film qui s'appelle « Ceux qui travaillent ». Alors, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais les films qui nous arrivent d'un petit peu partout, des producteurs, des distributeurs. Et celui-là, c'est de façon un peu singulière qui nous est arrivé et qui montre bien que le festival, eh ben, au bout de 35 ans, ben, il y a des gens qui le regardent, il y a des gens qui s'intéressent.